Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Street Scooter sur PlayStation. Avec une intro, ma foi, mais magnifique, enfin je sais pas si vous avez kiffé, moi j'ai adoré franchement. Donc vous l'aurez compris, un scooter, jeu de course de scooter, avec plusieurs options. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans ce jeu. On a donc le menu options. Alors le temps de chargement soit un petit peu long, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Alors, on peut changer le niveau de difficulté, charger, sauvegarder ou voir la manette. On peut régler le son, l'enregistrement, etc. D'ailleurs, le son, je vais baisser un tout petit peu. Ah, bah, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Alors, attends, on va le baisser légèrement au niveau de l'émulateur, qui d'ailleurs est trop fort. Voilà, c'est parfait. Donc, on va garder en stéréo, je crois que c'est bon. On peut enregistrer, réglage de la manette, niveau de difficulté on va le mettre en bon normal, on va voir ce que le jeu vaut en condition classique, on va faire retour. Et on va passer, alors on peut jouer à deux, on va pas pouvoir sur le moment, mais on va faire un time attack grand prix, on va faire un time attack, hein, histoire de découvrir un petit peu le maniement et ce que le jeu nous propose. Alors, on peut sélectionner notre caractère, sachant qu'apparemment on a 4 caractères à débloquer, 4 personnages à débloquer. Et donc on a donc Hyde sur son... Alors on va dire un scooter classique, hein, type MBK, enfin, bref, je connais pas du tout les scooters, donc sincèrement ça va être compliqué de voir à quoi ça ressemble. On a Ami sur son... sur sa bécane, alors je sais pas du tout ce que c'est non plus. On a Connie. Sur son Dax, on dirait, non? On dirait une moto? Attends, attends, ils ont osé mettre le plus... Hein? Sur un Dax. Et on a Mick sur son scooter un peu à l'ancienne, on dirait un Vespa, enfin c'est un peu bizarre. Ok, donc on va choisir. Alors vous voyez que chaque personnage a ses caractéristiques en bas. Notamment l'accélération, la vitesse, la quickness, je pense que c'est pour pouvoir la manœuvrabilité, je pense. Le poids, on a la... Ben non, mais il dit c'est 3ème du coup. La balance, la stabilité, le power. Alors, j'ai jamais vu autant de stats en même temps pour un caractère. On va prendre... à la limite, on va tous les tester. Hein. On va prendre Hyde pour le moment. On va commencer avec le personnage principal. On a 3 courses et les mêmes en reverse. On va faire... on va faire le troisième. On va pas commencer par le premier, parce que le premier, de toute façon, on va le faire, je pense, dès le début, si on fait le mode solo. C'est parti. Allez, time attack. Allez, c'est parti. Oula. Ok, donc on peut faire des points en faisant... Alors peut-être pas des figures, mais en tout cas en faisant des sauts. La caméra a changé, c'est incroyable. La caméra a changé en pleine vidéo, tout va bien. On va se passer par là et on s'est planté. Impulsion, 5 points. Alors le maniement pour commencer est très compliqué. C'est vraiment pas précis du tout. Là, par exemple, j'ai totalement loupé. Impulsion 4 points. Alors j'ai... Pourquoi ça rame? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis au ralenti? Ok. Alors, où dois-je passer? Je dois passer par là. Alors on est dans une sorte de dock. Où je me suis totalement planté d'ailleurs. On va essayer de rattraper l'IA. On a un temps limite, donc en gros, vous voyez, 40 secondes. On dirait un peu un jeu d'arcade quand même, hein. ça fait l'impression que ça a été tiré d'un jeu d'arcade. Et vous voyez, on a une petite barre d'impulsion là, 5, 2, je sais pas du coup à quoi elle sert. Oh là là, on a deux passages, on a fini un tour déjà. Ok. Donc là, le petit saut, ouh, ça fait penser un petit peu à Need for Speed Underground 1. Underground 1, où on avait dans certains sauts une petite cinématique. Apparemment, je suis totalement foiré. On peut voir que le scooter peut aller jusqu'à 50-60 km/h, bah c'est logique, hein, c'est des 49 cm3, donc logiquement c'est bridé à 50. Aïe. Mais bon. Aïe, je me plante dans les décors. Ah, c'est pareil, je suis au ralenti. Je sais pas ce qui se passe. Ah, et quand je change de... Oui, en fait, je pense que c'est le sol hein, qui nous fait perdre un petit peu de temps. Donc on a le temps de course, position 1, position 2, je ne sais pas pourquoi je suis deuxième, premier, mais en tout cas, ça change tout le temps. Alors les collisions, vous aurez compris, elles sont pas spécialement bien réussies. Le décor en lui-même est pas trop mal, bon enfin sur PlayStation, hein, mais franchement ça va.
C'est quand même assez fouillé, il y a pas mal de choses à voir. Oh, il s'est planté carrément, on peut se planter, hein. Voilà, au moins on le saura. Par contre, l'IA a pas l'air très très forte non plus. Et on finit deuxième. Bon. On a marqué 78 points, lui a marqué 126 points. Je sais pas à quoi les points servent. Est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce qu'on débloque des personnages au bout d'un moment, etc. Quoi qu'il en soit. Il a fini premier, donc j'ai pas trop l'intérêt de faire des points. Mais bon, pourquoi pas. Alors évidemment, on a pris le circuit le plus difficile, hein, parce qu'on a commencé par le dernier. On va prendre notre personnage, on va prendre Ami. Et on va voir si le maniement est un petit peu différent. Alors, c'est un jeu qui fait pas beaucoup en taille, c'est le genre de jeu à mon avis qui sont pas beaucoup vendus parce que ça sent le studio indépendant qui a tenté de faire quelque chose. Et du coup on est contre MER. Olé! Alors attention, on va essayer de tourner. Alors on est dans une ville. Type japonaise. Alors les textures ont tendance à bouger énormément, mais bon, on est sur PlayStation, c'est plutôt... classique. Alors, j'ai pas trop regardé, mais regardez, je peux mettre ma main à droite ou à gauche si j'appuie sur L1 R1. Regardez bien le mouvement des mains. Alors peut-être pas ici parce que je le fais pas. Mais passer par là, non? Sens inverse de la course. Faut aller par là? Ah, faut monter. D'accord, ok. Faut aller où là? Faut aller à droite ou à gauche? Ok. Regardez, je vais faire LR1. Elle bouge la main. L1, elle bouge de l'autre côté. Je sais pas du tout à quoi ça sert de faire ça. Mais bon, soit peut-être pour tourner un peu mieux. Je sais pas. Alors là, on est je ne sais pas où. Ce n'était pas le bon endroit. Si, c'était le bon endroit. Voilà, alors ok, alors les circuits sont ultra fouillis. On sait pas du tout où on est censé aller. Vraiment, j'ai du mal à savoir où me diriger sur ce tracé. En plus, on n'a pas de carte, donc du coup, on sait pas trop où il faut aller. J'essaie d'appuyer sur Select pour voir. Et regardez, là par exemple, on a la barre. Dès qu'elle est au minimum, en fait, je suis totalement au ralenti. Bon, ça. Alors je peux freiner, je vais même être time out à mon avis, mais bon c'est pas grave. On est dans une gare de métro, on n'a même pas réussi à finir le checkpoint, on a eu time over, on n'a même pas réussi à finir un tour, c'est incroyable. Oui, donc on peut un petit peu bouger, faire des mouvements gauche-droite, je vais faire try again, et on va voir s'il y a d'autres mouvements disponibles. Oh, j'ai pu le faire tomber! Ok, je viens de comprendre. Enfin, je crois que je l'ai fait tomber. Je sais pas du tout. On va passer par là. Ok, donc on est un petit peu nableux. On est passé par une autre piste. Alors, je sais pas si je dois aller là. Je dois aller là. Je pense que oui. C'est quoi ce jeu où on sait même pas où il faut passer? On a l'impression que c'est un labyrinthe. Bon, pour l'instant, on s'en sort mieux. Non, je me suis encore fait avoir. Hop, on va essayer de le pousser à nouveau. Non. Reverse. Allez, on va passer par là. Alors je crois que je l'ai poussé. Hein. Alors si je fais L2, R2 par contre, il se passe rien. J'ai rien. Si je fais rond, il se passe rien non plus. Si je fais triangle... Ah ben voilà, on a la carte. Enfin. Donc du coup, bah oui, je suis planté comme tout à l'heure. Et non, mais c'était là à chaque fois. Alors ce qui est bien, c'est que quand on est à l'arrêt, on peut manœuvrer quand même plus facilement le scooter, parce qu'il glisse de l'arrière. Et du coup, on s'en sort beaucoup mieux. On se prend tout ce qu'il faut, c'est pas grave. Est-ce que je vais réussir à finir ne serait-ce qu'un tour de ce circuit? Pff, oui. On va être limite. Hein. On va à peine franchir la ligne. Ouais, c'est fait. On a réussi à faire un tour. C'est incroyable. Alors je vais essayer de... Oui, on a un cœur aussi sur la... Sur le bas, en bas à droite. Donc il y a le compteur. Je sais pas si c'est un compteur juste parce que voilà, on a pris une fille, donc il y a un cœur forcément. Enfin, je veux dire, si c'est juste le stéréotype niveau 0. Ou si ça a vraiment un intérêt, peut-être que si elle tombe trop, au bout d'un moment on a game over, je sais pas. Bon, en tout cas, on est devant cette fois-ci. Alors j'ai bien fait d'avoir fait les circuits en mode time attack, parce qu'en course, je pense qu'on est vraiment... On va vraiment être à la rue. Ouais, il y a même un saut, hein. Il y a même un saut. Allez, j'ai quand même pris le bord. Allez, on va essayer quand même de faire mieux.
Alors le bruit du scooter, ma foi, pas plus pas moins, enfin je dis donc ça reste cohérent par rapport au régime moteur. Ça fait un bruit assez fluet, ça fait alors que mon scooter c'est quand même plus vombrissant. Voilà, on va passer par là. Et je peux quand même passer par là. Bon, évidemment au niveau du jeu time over, et au moins je serai pour tout à l'heure. On va pas faire recommencer, on va directement changer de mode. Donc on va faire quitter. On va voir, on va découvrir un petit peu les autres personnages. Allez, on revient en arrière. On va essayer de prendre aujourd'hui pardon, on va essayer de prendre le troisième personnage. Donc on va faire un mode Grand Prix. On a mon entraînement, on a une coupe standard, on va faire la coupe standard directement, voilà, et on va prendre, Conny. Alors lui par contre il est pas très rapide, par contre, bonne stabilité, bonne puissance. Bon, c'est peut-être pas la bonne idée de prendre lui, mais bon, faut quand même tenter. Hein. J'espère que dans ce jeu il y a des circuits à débloquer, parce que 3 circuits ça me paraît vraiment très très faible. Bon certes c'est un jeu, voilà, il y a dimension, niveau budget, il devait pas y avoir grand chose, donc je pense que c'est... Ça reste correct. Franchement, le jeu, mine de rien, même s'il est très très fouillis, même si voilà, on sent qu'il y a un réel effort fait, et c'est vraiment ce que je vais saluer en particulier dans ce jeu. Ça fera pas un jeu avec une note de 20 sur 20, loin de là, mais bon, allez, moi c'est l'accélération. Bon, ça... mais il me plaît bien ce personnage déjà, moi je l'aime bien. Allez, donc, on peut casser les. Ouais, on peut traverser les. Magnifique. Ah, ce qui est bien cette fois-ci quand même, c'est qu'il nous donne des indications. Sur le chemin, enfin par où il faut aller, si c'est à droite, à gauche. Alors là je suis en descente donc je dois être à fond. voilà, donc franchement il y a vraiment un effort de... Oh, en plus on a même un saut, c'est incroyable. On a vraiment un... Oh, on peut faire une roue arrière avec X plus rond. Alors je sais pas trop comment on fait. Alors peut-être que pour faire une roue arrière avec lui c'est compliqué. Ouh, le petit... Ouais, une petite collision un petit peu mal gérée. Donc ouais, il y a quand même un effort de fait, au niveau des graphismes, au niveau des décors, au niveau du... Bon, maniement, c'est pas trop ça. Mais le reste, franchement, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt agréablement surpris, je m'attendais vraiment à une dub sans nom. Alors là, par contre... Allez, je suis remonté, je suis trop lourd, j'ai vraiment du mal. Et là, regarde, je sais pas ce qu'il fait, il va essayer de pousser les autres... Ah, c'est bon, j'ai repris un peu de vitesse. Et du coup on a fini notre tour, ouais pas mal aussi la gestion du poids en montée, c'est quand même plutôt bien fait. Donc il y a quand même une petite dose de physique assez sympa. Et ma foi, alors je sais pas comment était vendu le jeu à l'époque, si surtout il était vendu partout, j'ai des doutes hein, parce que c'est vraiment des jeux assez obscurs. Regardez les mouvements quand on tombe droite-gauche, on va faire un saut. Ah j'ai réussi, alors il fallait que j'appuie sur le carré. Alors roue arrière évite de faire ça, mais ça va être un peu compliqué. Aïe, on va se mettre sur la route comme ça au moins on va perdre moins de vitesse. Hey, y'a une voiture qui passe. Ouh, je sais pas ce que c'était comme voiture, on aurait dit une Supra. en tout cas, c'est... Non, franchement c'est pas mal. Honnêtement, je m'attendais à pire. C'est un jeu qui va rester dans ma mémoire longtemps parce qu'il est quand même assez correct. Et la remontée où on va se traîner à 40 km/h. Ah, je pense que c'est vraiment des km/h puisque vous voyez quand même on est vraiment lent, ça serait pas des miles, hein. 40 miles ça serait un petit peu trop rapide. Allez, on a le temps, je pense qu'on va arriver au bout, en tout cas on est premier, c'est déjà la bonne nouvelle, c'est vrai qu'on irait plutôt bien. Et voilà, on a donc remporté la course. Et on va du coup se lancer dans le deuxième circuit. Alors par contre vous voyez j'ai pas marqué spécialement beaucoup de points, 121 points. Bon c'est correct hein, mais ils ont fait mieux, 197, 125 points. Ah, alors je sais pas ce qu'il fait, là il fait un décompte. Ouais. Alors je sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce qu'il faut peut-être faire beaucoup de points en même temps qu'on gagne pour peut-être terminer premier. On va le découvrir ensemble, hein. De toute façon il y a deux courses à faire. Chargement. Bon là les chargements sont longs dans les menus, mais en termes de chargement course, c'est un peu pareil, donc c'est un petit peu dommage, c'est assez long. Là il reste bloqué sur le loading. Qu'il n'a pas bloqué tout court d'ailleurs, ça serait dommage. Ça m'a l'air un peu long quand même pour un chargement, ma foi. Bon, je suis sûr que s'il se passe rien, j'ai l'impression que le jeu a planté complètement.
franchement. Bon, on va faire pause, on se retrouve juste après. Et donc de retour, alors vous l'avez compris, le jeu a planté au chargement. Alors il y a eu un deuxième essai qui a été fait quand même derrière pour voir si bon, vous pouvez passer out. Malheureusement ça a planté pareil. Donc je vous propose de tenter le mode Training Cup. On a quand même la Tuned Cup, la Monster Cup. Je pense que ça doit être des coupes avec des améliorations sur les... Parce que j'espère des améliorations sur les scooters, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. On va faire le mode Training du coup pour voir un peu ce que nous nous propose. Alors du coup, on va faire le premier qui va être le cornering, donc en gros le passage de... Tout simplement le passage en virage. Là vous aurez remarqué qu'on a choisi le langage français dès le début, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traduites, on reste en anglais quand même. Ah pardon, du coup je pensais que c'était la démo, bon c'est pas grave. Ok, c'est parti. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir dans la montée justement où tout à l'heure on était complètement bloqué, enfin on était en ralenti. Est-ce que là on va être aussi ralenti à vitesse de poids que notre poids? Et oui, on est quand même un petit peu moins ralenti. Bon, on est à 40, un peu plus de 40. L'autre, on était à 38 à peu près. Donc là, je dois finir le tour, la petite portion en 39 secondes. Donc ce que je devrais logiquement voilà, réussir largement, hein. On a fait 6 secondes de mieux. Du coup, on a réussi. Il y en a eu un rang A, c'est parfait! On est content, non? oui, donc je suis un petit peu déçu, malheureusement on pourra pas aller plus loin à cause de ça. Bon, de toute façon, à la limite, vous le découvrirez vous-même, c'est ça qui va être intéressant pour vous si vous êtes intéressé par ce genre de jeu. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe aussi, au niveau du personnage, quand il est sur le scooter à l'arrêt et qu'il reprend sa vitesse, il y a quand même le nombre d'animations quand même du personnage sur le scooter. Donc là on a passé entre les. Non, on doit toucher les plots. Ok. Génial. Je vois trop la même séance sur Gran Turismo. Merci de ne pas éviter les plots, vous prendre tous les plots. Donc je disais, regardez les personnages, sa manière de se mettre sur le scooter et de démarrer, c'est au niveau des pieds. Vous vous rendez compte que c'est assez progressif, ils ont fait quand même un bon boulot. Et j'ai loupé. Bon, j'ai loupé, on va faire restart. Le mouvement étant assez rapide des personnages, c'est assez compliqué d'être assez précis. Ok, on a fini en 10 secondes, soit 7 secondes de mieux que prévu. Est-ce qu'on aura un rang A pour autant? Ouais, on a le rang A, donc ça c'est pas mal. Donc pas mal aussi, ils ont fait un petit effort aussi sur les personnages, c'est pas mal. On va tester un petit peu la vie. J'ai vu la médaille d'or. Alors, ce serait intéressant de savoir si on a les médailles d'or partout, ce qui se passe, tiens, au passage. Alors, il y a aussi le Wheelie que j'ai pu faire, justement, en retentant tout à l'heure les mêmes courses, avec le personnage qu'on avait juste avant. Et en fait, ça marche, mais il faut vraiment le faire en pleine course, c'est un peu particulier. Ok. Donc, on va faire un Wheelies. Ok, je n'ai pas réussi à faire mon wheelies, du coup c'est mort, on va faire restart. Normalement c'est la croix plus le bouton vers le bas. Voilà, donc là on est en wheelies, j'ai pas réussi à en toucher assez. Oh bon sang! Ah oui, en fait c'est bon, en fait on n'est pas obligé de rester appuyé vers le haut. On a juste... Alors oui, alors je me suis loupé, on va faire restart. En fait, une fois que vous avez enclenché le wheelies, vous n'êtes pas obligé forcément de rester appuyé sur la touche du bas, vous pouvez tourner avec. Quoi. Voilà, donc là je suis en mode wheelies. On va essayer de se prendre toutes les barrières. À ne pas faire à la maison, bien entendu. Donc là on a réussi, voilà, c'est pas ça. Donc on pouvait faire des wheelies, vous l'aurez compris. Alors j'ai pas vu trop d'intérêt du wheelies en tant que tel à part faire des points en course. Parce que en termes de vitesse dans le passage, dans les montées, ça ne change rien. On va passer au spin turn. Alors, le spin turn, à quoi ça consiste? Regardons la démo.
Ok, donc simplement il faut freiner légèrement et hop, ça fait un petit speed turn. On redescend. Ok. Ok, ok. Donc on va faire le speed turn. C'est parti. On passe en permis en scooter. Quand même. Alors, je suis en train de passer mon BSR. Bon, j'ai loupé. C'est pas grave. En fait, il faut le faire en même temps, j'ai l'impression. Quoi? On est d'accord, je me suis planté sans rien faire là. C'est quoi ce délire? Ok, on va recommencer. Alors j'ai réussi à le faire un peu, mais je l'ai fait tellement avant qu'en fait ça servait à rien. Pourquoi je me plante? What? Pourquoi le jeu m'envoie tout seul dans le décor? C'est quoi ce délire? Alors attendez. On va la refaire. Bon, je me suis loupé. Non mais c'est fait exprès, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je pense que c'est fait exprès pour pas qu'on puisse avoir notre A si on fait pas de... Si on fait pas de speed turn ou je sais pas quoi. Ah là, il va se planter j'imagine, alors qu'il se plantait pas avant. Bon, on va essayer de finir. Ouais, donc clear time c'est 33, on a fait 35, du coup c'est trop lent. Du coup on a pas réussi. Et bah on va passer à la suite, on va voir un petit peu les autres enchaînements à faire. Allez, on va faire le jump. Alors le jump on l'avait vu, normalement c'était croix plus carré. Ok, je le fais pas. Je veux vite passer à la vitesse. Ok, donc il fallait faire 17 mètres, j'ai fait 13 mètres. On va faire again. Alors peut-être qu'il faut que je fasse un wheeling. Encore une fois, j'ai rien compris. Je pense que j'aurais dû vraiment laisser faire l'IA plutôt que tenter de passer en force comme ça. On va du coup retenter avec la petite explication quand même. Allez, c'est parti. Allez, le démo mode. Ok, alors je n'ai vu aucune différence que j'ai fait d'habitude, si ce n'est qu'il tapote un petit peu le... Ok, 13 mètres, ça n'a pas marché. Je sais pas du tout, j'ai pas compris. Je crois que je n'ai pas compris du tout ce qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave, on va faire tenter une dernière fois. Non, 13 mètres, je sais pas du tout comment améliorer ça. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite histoire de découvrir autre chose. On va continuer. En tout cas, ça fait deux échecs coup sur coup. On va passer au jackknife. Alors, you turn the starting point, go through the embankment and come back to the starting point through another thrust. Blablabla. Ok, on va tenter ça. Ah bah j'ai pas encore... Ah c'est bon, on a le démouplé, c'est parti. Donc là on accélère. Ah d'accord, on peut surélever l'avant avec le gauche-droite, gauche-droite. Mais c'est impressionnant ça, c'est énorme. Ok, d'accord, alors ça va pas être facile, mais d'accord, on peut faire ça. Ok. Ok. Je me suis foiré, mais j'ai compris.
Bon, on a pas réussi, il fallait faire 12 secondes. Mais j'ai compris après la combien il fallait faire. Ah si, succès, pardon. Clear time 15, on a fait 12, ouais, donc c'est bon. On a réussi. Ok, parfait. Donc on peut tourner plus vite dans les virages grâce à ça. Bah disons, il y a pas mal de techniques, mine de rien, on apprend des choses au fur et à mesure. Donc un jeu un peu plus complet finalement que prévu. Oh, le coup de la balance, à quoi ça correspond? Alors, la balance, qu'est-ce que c'est? Run without failing of the bridge. Bon, bah ça... ça c'était quand même assez facile. Du coup, on aurait pu y arriver facilement. Allez, c'est parti, à nous. Bon, ben voilà. Hein. Bon, ça c'était facile. Il n'y a rien à faire. C'était pas trop compliqué. Alors, le rang qu'on a eu... Ouais, j'allais dire, je sais pas comment c'est aussi d'avoir un rang en dessous de A, puisque de toute façon je suis resté appuyé sur l'accélérateur du début jusqu'à la fin. Alors, il nous reste le throwing. Grab the cone and throw them. One throw, we have done, I got a cone. Ok, ah, mais c'est peut-être à quoi ça sert justement tout à l'heure quand on a renversé quelqu'un avec les touches L et R. Et ben là, je pense qu'on va devoir essayer de récupérer des cones. Alors, on va voir la démo. Ok, donc j'ai pas compris, j'ai pas regardé, j'ai regardé ce qu'il faisait, mais j'ai pas regardé du tout où il allait. Ok, c'est un échec, on va recommencer. Je suis allé trop vite. No ! Vite, masque. Je vais presser à le prendre. Ah bah j'ai échoué, bon, c'est pas grave, on va recommencer. Il faut aller plus lentement en fait, je suis un petit peu trop rapide. Voilà, on a réussi. Donc j'ai pu balancer des cones. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces cones, est-ce qu'on peut les balancer sur les joueurs? Ça pourrait être marrant ça, j'ai un rambé, bon c'est pas grave. Est-ce qu'on peut le balancer sur les joueurs? Ça serait assez intéressant, déjà qu'on peut les faire tomber. On a eu l'argent, il reste plus que l'or et d'autres trucs à revenir. C'est pas grave, on va faire retour. On va retenter la Normal Cup juste pour faire voilà, un petit tour avec un autre personnage qu'on n'a pas essayé, c'est-à-dire Mick. Ou Mike, avec un C. Et on se quittera là-dessus. J'ai hâte de voir s'il y a des cones, on va essayer de les prendre. Ça pourrait peut-être être marrant. S'il y a des cones évidemment en jeu. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Allez, regarde derrière lui aussi, on a fait un petit jeu, on va passer par là. Olé. Bon, on n'est pas spécialement très rapide avec ce scooter. On va voir en descente si on est plus rapide que quand on était avec la... Eh, on n'est pas si rapide que ça, on est plus rapide avec le poids de l'autre personne. Ah, regarde, il va prendre notre autre. Ah, je l'ai pas pris. Dommage. Olé, j'ai fait un jump. Ouah, y'a, attention. Bon, du coup, je suis pas passé par la route, du coup, il faut que je récupère des cones ailleurs. Là, j'aurais pu faire un wheeling, je ne l'ai pas fait. Ah, je vais mettre en wheeling. Je vais essayer en tout cas. Non, je peux... Ouais, je suis en wheeling, c'est bon. Olé, on va remonter. Alors, le wheeling, on tourne un petit peu moins bien, ce qui est logique. Voilà, je vais faire toute la montée en wheeling, c'est incroyable. On va voir un petit peu sur la carte. Alors il y avait un autre chemin à droite que j'ai pas vu. Alors, on va essayer peut-être de le prendre tout à l'heure. Par contre, je sais même plus comment on fait pour enlever la map. Du coup, je suis en train de tout faire en wheeling là. Ok, bah je crois que j'ai... Oh, wheeling, 143 points. C'est-à-dire que si je fais toute la map en wheeling, j'ai énormément de points. Alors là, on va passer par là. On va essayer vraiment de prendre l'autre raccourci. On va essayer de prendre le plot là, ça m'intéresse. Ouais, c'est bon, j'ai le plot. J'ai réussi à prendre le plot avec le saut. Par contre...
D'accord, ok, donc j'ai pris trop longtemps et du coup je peux pas lancer le pot, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Alors non. Alors si, on peut passer par là en fait. Ok, alors là j'ai fait reverse turn, je me suis totalement trompé en droit. Attendez, où on va si on va jusque là? À un moment donné, il faut demi-tour. On va se prendre la voiture, comme ça on n'en parlera plus. Alors le problème c'est que là, vous voyez, le jeu me met dans le mauvais, mauvais sens. Et en plus, à cause de ça, je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir finir le circuit. Ah, je suis vraiment trop long, trop loin là. Bon, c'est pas, on va avoir un game over. C'est pas trop grave, de toute façon vous aurez vu un petit peu plus. Voilà, donc time over. Oh, quel dommage. Du coup, je peux faire que gain ou try, enfin, ou quitter. On va laisser le replay. Donc, c'était... j'en ai même oublié le nom du jeu. Incroyable. Street Scooter, pardon, sur PlayStation. Un jeu, ma foi, fort correct, vraiment. Je n'attendais pas à ça. La technique est plutôt bonne. Bon, c'est assez brouillon, j'aurais compris. Mais les graphiques sont pas mal, les sons sont corrects, les personnages sont plutôt bien réalisés, les mouvements sont réalisés, la physique a plutôt bien rendu. Il y a quelques petits aspects sympas avec les points qu'on peut scorer, quelques figures, le wheeling. Puis j'ai l'impression qu'on peut débloquer des choses aussi après, donc ça va être intéressant. Donc voilà, un jeu ma foi très sympa. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!